Nicolas Julien qui va présenter Adriana de Nîmes, une Adriana de Nîmes qu'on vient de voir en amateur pour son début de meeting sur les problèmes de Cagnes-sur-Mer. Comment avez-vous jugé sa cinquième place? Oui, la couronne amateur, bah, parce qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre, et puis c'était pour la maintenir un peu en forme. Après les spéciales, peut-être l'amateur, il était un peu trop sur la réserve, quoi. Voilà, après elle a fait un parcours donné au vent, elle a demandé à souffler dans le dernier tournant, elle est revenue finir. Voilà, après c'est une vie dans le train, il aurait peut-être plus enroulé. Voilà, parce que sur un bout, elle va pas plus vite que les autres. A priori, elle était quand même correcte, voilà. Cette tentative. Oui, oui, après elle est revenue finir et tout ça, c'est propre. Voilà, après il faut la connaître un peu, son amateur la connaissait pas, tout ça, donc non, c'est bien. Comment va-t-elle se présenter, elle part là en tête, plutôt un engagement favorable, même si elle est 6 ans à affronter. Oui, voilà, après maintenant il est quinqué là, ben, c'est des courses plus relevées, tout ça, il y a des bons chevaux derrière, il y a des 6 ans, voilà, mais bon, le numéro est une forme, on regrette presque pas avoir eu un autre parcours. À ce niveau-là, il faut être affûté. Mais bon, le numéro est bien, elle travaille bien, elle a envie. Voilà, si tout se passe bien, qu'elle fait sa course, on va peut-être pas gagner, mais dans le côté, ouais, c'est possible, je pense. Ouais, c'est une jument assez régulière, en plus, on peut pas lui reprocher grand-chose. Non, voilà, elle est susceptible quand elle est pas bien, comme ça, mais quand elle est vraiment bien, elle est sûre, et le range, c'est course. Voilà. Ouais, voilà, c'est une jument de train, sur un bout, elle peut être battue. Voilà, si je peux prendre le train à mon compte, je sais pas, ou même si ça roule, ça va l'avantager, quoi. A priori, pas de changement, par contre, dans sa ferrure, elle a tout le temps été ferrée dans sa carrière. Ouais, on a été ferré un coup, une fois, ça n'a pas été. Voilà, on y met plutôt du confort que de la déferrer.